Bonjour. Alors pour les élèves de l'ASSO, une possibilité de jeu guitare sur le Lady Melody de Tom Frager, ou Tom Frager d'ailleurs, je ne sais pas. Alors ici, je vous propose un arrangement pour l'intro qui pourrait donner par exemple ceci. Plus doucement et avec le tempo pour la mise en place. Encore plus doucement, si possible. Alors. Voilà, pour le raccord avec la rythmique, voilà ce que ça donnerait si on joue la deuxième fin. Ok, donc pour la rythmique, en fait, je vous propose deux possibilités. Soit jouer façon reggae, un petit peu comme sur le morceau. Alors, avec les accords, La majeur, Mi majeur, Fa dièse mineur et Ré majeur. Ça embarré de façon à obtenir le son suivant. Donc la rythmique donnerait. Alors un détail sur un accord, ici je joue le premier temps de la façon suivante. Un battement brossé du pouce avec le gras du pouce sur les graves. Et ensuite, un battement sur les aigus, sur le contre-temps du premier temps. Donc ça donne 1, 2. Quant au deuxième temps, il y a silence sur le 2 et les aigus sur le contre-temps. Donc uniquement sur le 2, ça fera. Si on en ajoute les deux temps. À nouveau. Évidemment, ici, pour couper le son, on relâche la pression des positions de barré. Donc, sur chaque accord, le même motif. Ok, une autre possibilité pour les plus débutants et qui évitera de faire les barrés. Donc, ça sera celle-ci. On met un capot deuxième case et on va jouer ici avec une rythmique qui est placé de la même façon, en réalité, mais où on va laisser résonner les cordes, tout simplement, de la façon suivante. Voilà, avec les positions de Sol majeur, Ré majeur, Mi mineur et Do majeur, ce qui donne les mêmes accords que l'original, à condition de mettre un capot 2. Ok, sur la version musicale, je jouerai avec la deuxième rythmique, c'est-à-dire celle-ci, puisque l'autre, on l'entend nettement sur le morceau, donc c'est pas difficile de la placer. Ok, donc voilà ce que ça pourrait donner.
Voilà pour l'essentiel. Alors, pour les notes de l'intro, voilà ce que ça pourrait donner. Un plan fixe. Et donc, vous retrouvez ça dans la rubrique « Clin d'œil aux élèves » du site. Et donc, à la prochaine.